Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer la page salle. Voilà, c'est cette page-là qui va nous permettre de donner le nom des salles. Voilà. Maintenant, à ce niveau, je vais faire un seul. Bon, pourquoi pas travailler directement? Pas besoin de faire label ici. On peut travailler directement avec. Par exemple, ça, je vais mettre salle. Label salle par exemple est égal à label. Maintenant self.root, quelque chose de simple. Voilà. Maintenant aussi sa dimension, je vais le diminuer. Je vais travailler sur du 620 et 300. Voilà, quelque chose comme ça pour diminuer sa taille en fait. Voilà, maintenant là je vais dire salle tout simplement. Maintenant font, je vais travailler avec Times New Roman comme d'habitude. De taille 20. De taille 20. Et il sera en gras. Voilà. Maintenant il sera en gras. On va faire un BG. Background. Background color qu'on avait déjà défini, je pense qu'on est ok. Et là je peux placer notre label au niveau de x est égal à 100 et y est égal à 0. Voilà. Maintenant texte sale est égal à ttk point entrée self.root. Maintenant font, on va travailler avec Times New Roman de taille 20. Voilà. Maintenant pour sa position, on va le mettre au niveau de x à 10 et y à 50. Si je complique, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va créer deux boutons, bouton pour ajouter et bouton pour supprimer tout simplement. Donc je vais faire self.btn ajouter est égal à maintenant bouton self.root texte ajouté. Voilà. Maintenant pour le font, je vais prendre celui-là. Voilà. Ensuite pour le BG en green. Maintenant curseur end. Voilà, maintenant self.btn point place. Maintenant pour le bouton ajouter, on aura x 300 y 50 avec une hauteur de 40 et une largeur. Et une largeur de combien? Par exemple on va faire une largeur de 150 pour voir ce que ça va donner. Voilà. Et là je vais ajouter un autre bouton supprimer. Bon, on va dire par défaut celui-là est en state normal. Voilà, comme ça on va pas revenir. Voilà, maintenant là ce sera supprimé. Voilà, on a supprimé. En red. Voilà, maintenant
là x va prendre un grand coup de 460. Voilà, c'est bon. On a là, sauf que il ne sera pas sélectionné. Par exemple, là je vais faire estate disable. Voilà, il sera désactivé par défaut. Voilà. Je pense qu'on est OK. Je peux déclarer les valeurs. Bon, ici il y a juste deux variables. Il y a ID qui va prendre un self.var ID et il y a la string var. Int var. Int var. Maintenant, self.sal. Et il y a là. Le string. String var. Je vais le. Je vais juste appeler celui-là ici, self.un texte variable. Voilà, self.var sal. Voilà, je pense qu'on est OK. Là, à présent, je peux créer. Bon, je vais aller récupérer le trivial qu'on a ici. Bon, mais sauf que le trivial n'a pas les mêmes fonctionnalités, donc je vais quand même créer d'abord le frame. Maintenant, frame, bon, je peux faire ça, mais sauf que après je vais modifier. Bon, disons jusqu'à là. Voilà, maintenant pour notre frame, on va le déplacer. X est égal à 0, voilà, et Y 100. Avec une hauteur de 200 et une largeur. Bon, pour la largeur, on peut prendre ce qui est disponible. Maintenant, là, il y a 10, 2. Il y a le nom. Bon, on peut le laisser nom, mais on va faire ça. Voilà. Et le reste, donne une date. Voilà. De même qu'ici, tout ça, on n'aura pas besoin. Là, là où c'est. Print list, on va l'appeler sale list. Voilà. Je pense qu'on est OK. Là, je vais récupérer cette partie-là ici. Si je compile. Il dit tableau from print. Ah oui. Ici, c'est self.root. Voilà, on a ça, c'est bien. Maintenant, on va créer la base de données et créer la fonction qui va nous permettre d'ajouter en fait. Voilà, par exemple, là à ce niveau, je peux aller récupérer les chemins vers la base de données. Voilà. Maintenant, le chemin vers la base de données. Voilà, donc on peut créer la base de données. Donc pour la base de données, c'est simple, query.execute. Maintenant, create par exemple tel if not exist. Voilà, maintenant on va l'appeler sal. Bon, là je vais l'appeler non. Tout où c'est sal. Je vais l'appeler nom. Voilà, ça ici. Non, ça. Voilà. Voilà, je pense qu'on est tranquille. Voilà, maintenant sale. Là je vais l'appeler ID. Il sera un integer primary key auto increment. Voilà,
Et là, pour le nom, sera juste du texte. Voilà. Maintenant, on va appliquer con.commit et con.close. Voilà. Maintenant, créons la fonction qui va nous permettre d'ajouter le lambda ajouter self. On peut extraire la connexion vers la base de données. Voilà. Maintenant, là, on va faire un cure.exécute. Insert into salle. Voilà. Maintenant, il y a juste le nom. Voilà. Et va prendre la valeur. Bon, il y a une seule valeur. Et là, self.var get salle. Voilà. Maintenant là je vais faire con.commit et là con.close. Voilà, on va réinitialiser en même temps la variable sal.set. Voilà, vu qu'il y a juste une variable, donc pas besoin de créer une fonction pour initialiser. Voilà. Et là, on va afficher un petit message show info succès ram sal ajouté. Voilà. Maintenant, accept as. Voilà, maintenant là, on va afficher un petit message. Erreur. On va afficher erreur de connexion. Voilà. STR de head. Voilà. Je pense que ça va. Si j'appelle la fonction, voilà, c'est ajouter comment self.ajouter. Voilà, maintenant là je compile, je dire et je vais dire Hugo. Bon, je vais juste de donner des noms. Bon, je vais faire Sonko, une salle qu'on va dédier à Sonko. Voilà. Par exemple, à qui? Bon, non, pas ça. Disons Victor, par exemple. Voilà. Bon, ça, c'est juste des noms que je donne comme ça. Voilà. Je vais essayer maintenant de... Oh! Je vais essayer d'ouvrir SQLite pour voir est-ce que l'enregistrement est effectué. Voilà, il y a Sonko et Victor, c'est bon. Maintenant, on va les afficher au niveau de notre view. Voilà, comme d'habitude, je vais juste aller récupérer ce script-là. Qui change presque pas, il y a rien de spécial en fait à faire. Oh. Bon. C'est du paramètre que celui-là, donc voilà. Là, ce n'est plus c'est plutôt sa liste. Là, sa liste, et là, c'est. C'est ça. Voilà, si je compile. Ah, j'ai pas appelé la fonction. Je vais l'appeler ici.
self.afficher. Je vais l'appeler ici aussi. Self.afficher. Voilà. Voilà. Si j'ai compris, tu es là. Et là, si j'ajoute Hibo, j'ajoute, voilà, directement, il le supprime là, et là, on est tranquille. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour... je vais créer la fonction qui va me permettre maintenant de récupérer les informations. Par exemple, là. Bon, je peux aller récupérer. C'est presque du pareil au même. Donc là, je fais ça. Voilà. Maintenant là, ce sera ajouté. BTN ajouté. Et BTN. Supprimé. Celui-là, on n'en a pas besoin. Voilà. Là, c'est sa liste. Là aussi, c'est sa liste. Voilà. Maintenant, là, c'est variable sale. Voilà. Je vais appeler la fonction self.saliste.bin. Voilà. Maintenant, button release. Maintenant, self.obtenir information. Si je fais ça. Voilà. Sauf que il y a un petit souci. Vu que après suppression, est-ce que je vais pas. Bon, je sais pas. Est-ce que je vais pas activer ça? Ou bien le bon, pas besoin de le mettre ici. Vu que c'est juste deux boutons, voilà, il est où? Est-ce que voilà, ça après ça va être. Ça pourrait créer des astres quoi. Voilà, faisons quelque chose de simple, je sais. Voilà. Maintenant, la fonction qui va nous permettre de supprimer. Voilà, vite fait. Je vais le récupérer. Et effectuer les modifications nécessaires. Bon, déjà, il y a cette fonction-là. Il n'a pas lieu d'exister. Voilà, le try toujours accompagné de cache. Try cache, try exception quoi. Voilà, maintenant là, ce n'est plus plein mais plutôt sale. Voilà, c'est var ID si je me trompe. Voilà, c'est cool. Maintenant là, sale. Sale supprimé. Je pense que c'est bon. Bon, je vais voir l'ID. Là, c'est comme ça que je l'avais défini. Donc, je vais l'écrire en majuscule. Voilà. Maintenant, là, je pense que tout est OK. Là, si je compile, voilà. Maintenant, si, par exemple, je sélectionne. Le bouton, j'ai pas appelé la fonction. Voilà, maintenant self.point supprimer. Voilà, maintenant là, je supprime ego. Voilà, si c'est non, rien ne se passe. Si c'est oui, voilà, ego est supprimé. Mais non. On va revenir un peu au niveau de la salle plainte pour récupérer, pour créer la fonction qui va permettre de récupérer directement les salles qui sont disponibles en fait. Voilà, par exemple, là je vais l'appeler self.dev, une liste salle. Voilà, on va essayer de récupérer la liste de toutes les salles en fait. Là je vais
créer liste point liste sale point point append. Bon, au début on va ajouter déclarons le d'abord. Je ne vais pas déclarer, je vais déclarer une liste build. Par exemple, je vais déclarer une liste build. Bon, une liste build, par exemple. Je peux la déclarer juste après. Self point voilà. De passage aussi je pouvais appeler la fonction list, voilà, liste sale. Comme ça dès le démarrage il va récupérer la liste et directement le mettre au niveau de notre combo box après quoi. Voilà, ce sera beaucoup plus bref. Voilà. Maintenant là, on va dire vite. Maintenant, prenons le chemin vers la base de données. Voilà, maintenant là, on va le coller. On va gérer le try. Le try, maintenant l'exception, je vais juste copier celui-là. Voilà, maintenant à ce niveau, cure.execute, select. C'était quoi? Je pense que c'était non. Après, je vais vérifier. Voilà, c'est non. Select non. Bon, je vais le rapprocher. Select non. From sale. Voilà. Maintenant, là, je vais dire sale est égal à cure.fetch all pour récupérer toutes les informations de la salle. Maintenant, si len de salle, n'est-ce pas, est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a du contenu. Donc, on va supprimer d'abord le contenu de la liste self.liste salle. Parce que s'il n'y a rien, c'est ça qu'il va afficher vite. Maintenant, s'il y a quelque chose, on va d'abord supprimer le contenu. Voilà. Ensuite, on va ajouter chaque élément au niveau de la salle. On va récupérer élément par élément de la salle et on va récupérer et on va ajouter self.liste salle point append. Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? L'élément correspond à qui? À I de 0, comment dire, voilà, à I de 0, c'est-à-dire l'élément, parce que notre table est composée de deux éléments, ID et là, on a dit, il y a un élément qu'on va sélectionner et l'élément, c'est élément 0. Si on avait deux, on va faire virgule, et là, on aura deux éléments, virgule ici aussi, on va le mettre. Voilà, maintenant là, on a créé normalement. Il doit recevoir et là il est changé. Il est où? Nord de la salle. Voilà, là il va recevoir self point point list salle. Voilà, maintenant si je compile, voilà, il y a la liste de la salle qu'il a récupéré ici. Moi, si j'ajoute directement une nouvelle salle, par exemple. Je vais remettre Hugo. Voilà. Si je viens
au niveau des plaintes, je vais récupérer Hugo aussi ici. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.